Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment utiliser un robot pour acheter de la crypto. On va parler dans ce podcast des gains potentiels, des dangers potentiels d'utiliser utiliser un robot. Bref, reste à l'écoute, ça va t'intéresser. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, tu trouveras le groupe Telegram, un lien vers le groupe Telegram dans lequel tu je te partage beaucoup de choses, des, des choses perso, euh, ma vie, ce que je fais, mes, ma RD pro, mes business, mes différentes façons d'arpenter la vie actuellement, etc. Bref, si tu veux me connaître un peu plus, c'est là-bas où il faut être, ok? Allez, on y va tout de suite pour le podcast. Très longtemps, depuis la nuit des temps, j'ai presque envie de dire, moi, depuis que je fais du business en ligne, j'ai toujours entendu parler des robots de trading. J'ai toujours trouvé ça naze, j'en ai essayé quelques-uns, j'ai toujours trouvé ça vraiment naze. Parce que, en vérité, on s'appuie beaucoup sur des performances passées pour euh, bah, théoriser ce qui arrive. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas, à pas ma connaissance. Aujourd'hui, j'ai rien trouvé de particulier sur ce sujet. Et euh, je trouve pas que ce soit forcément bien. C'est-à-dire, remettre totalement euh, à la merci des algorithmes ou euh, des statistiques trading, je trouve ça très compliqué. Donc, j'ai dû me poser la question. J'ai dû me dire, ok, est-ce que vraiment un robot, c'est pertinent ou pas Et je vais t'y répondre dans ce podcast. Mais avant ça, il faut que je t'explique un peu les gains. Les gains, bien évidemment, ils peuvent être faramineux, ils peuvent être colossaux, ils peuvent être énormes, beaucoup, trades en automatique. Mais je vais pas te parler de trading. Spécifiquement. Tu vois, je vais te parler de crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup d'amalgame ou de confusion entre la crypto et, euh, et euh, la bourse traditionnelle pour trader. Le truc, c'est que les gains peuvent être vraiment colossaux, ils peuvent être énormes. Tu peux faire des fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, alors notamment en crypto, c'est quand même un peu plus rare sur les marchés boursiers, mais je dis pas que c'est impossible. Donc, euh, les gains, bon, bah voilà, clairement, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent, et le problème, c'est que bah, tu prends pas vraiment de compétences puisque tu laisses faire un robot. Sauf que pour faire un robot, ou pour utiliser un robot, est-ce qu'on a vraiment besoin de compétences? Ben, en fait, c'est là le truc qui est euh, pour moi un peu euh, entre deux. Je t'explique. Un robot, t'as pas forcément besoin d'avoir des compétences pour le faire marcher. Le truc, c'est que ça dépend le robot. C'est-à-dire, si on te donne un truc tout fait qui correspond à un truc parfait, machin, que as juste appuyé sur un bouton, il y a quand même de fortes chances que ce soit pas pertinent, dans le sens où est-ce que ça va te correspondre, est-ce que machin, ce truc, c'est quand même très aléatoire. Donc, ce qu'il faudrait, et le nombre de fois où je me suis dit ça, c'est Okay, hein, une sorte de robot dans lequel je puisse mettre des paramètres particuliers, genre tiens, je veux acheter cette action si elle fait ça, ou plutôt celle-là si elle fait ça, prendre en compte ce paramètre, ce paramètre, euh, ce paramètre de sorte à ce que ben, dès qu'il y a vraiment euh, le cas qui se présente par rapport au contexte que moi j'ai donné, c'est-à-dire je paramètre un contexte et quand ce contexte arrive, ben, il fait ce que je lui dis de faire. Là, c'est plus du tout pareil. On est plutôt sur un assistant, donc un bot assistant, qui va éviter de te regarder les courbes, les trucs tous les jours, savoir temps machin et tout ça, et, euh, et qui plutôt ben, va te dire, ok, bah ben, Tiens, s'il y a ça comme paramètre, s'il y a ça comme paramètre, puis s'il y a ça aussi, et eh ben à ce moment-là, achète, et puis quand ça arrive à ça comme paramètre, à ça comme paramètre, alors vend. Et là, tout de suite, ça change tout. Tu vois, là, tout de suite, on est sur quelque chose qui est paramétrable, et il n'y a pas besoin non plus ça. Sur pareil, le mieux est l'ennemi du bien, il n'y a pas non plus besoin de faire des trucs colossaux. Il y a juste besoin de se dire, ok, si par exemple, bah, euh, je ne sais pas, il euh, euh, y a ça qui se passe sur, euh, sur internet, bah, alors euh, je fais ça. Bon, ça, c'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui, mais dans l'idée, ce serait ça. Et donc le danger de ça, c'est quoi bah, c'est de pas maîtriser finalement l'information ou de passer à côté de certaines choses qui peuvent être problématiques également ben, comme tout, euh, tout jeu d'argent on va dire entre guillemets il y a une aversion forte à la, à la perte c'est-à-dire que ben, euh, on est toujours déçu quand on perd Et le truc c'est que quand on fait des choses comme ça il faut pas s'attendre à gagner dans 100% des cas, des cas mais il ne faut pas non plus s'attendre à passer à 100% des pertes le truc qui est toujours assez rigolo c'est qu'on a Toujours tendance à croire qu'on va perdre des choses. Et en soi, c'est vrai, mais il faut perdre une partie pour pouvoir aller gagner beaucoup. C'est un investissement. Les gens oublient qu'on est sur un investissement. C'est-à-dire qu'un investissement, ce genre de facteur, moi, le premier, je l'oubliais pendant des années, c'est bien sûr, bah, je sais pas, je vais mettre 1000 balles, euh, si je vais gagner, l'effort que ça va demander pour aller gagner 200 balles, donc 20% sur ces 1000 balles, va être plus gros que le potentiel perte que je vais avoir euh, de tomber, par exemple, à moins 50% et donc perdre 500 balles. Euh, évidemment. Et le truc, c'est que quand on se dit ça, en fait, on voit toujours la perte, on se dit, euh, ok, euh, la version est vraiment plus grande à la perte, hein. on va se dire, ouais. Euh, putain j'ai perdu encore moins 50% un machin quoi et puis très souvent c'est là où bah, du coup tu te dis bon bah finalement c'est pas pour moi c'est pas machin alors qu'en fait tout ça est largement paramétrable en se disant ok bah si ça baisse de 5% je sors j'aurais perdu que 5 euros quoi finalement c'est bête enfin 50 euros pardon c'est bête mais euh, pourquoi pas tu vois sur 1000 euros bon perdre 50 euros ça va il suffit de refaire un fois deux derrière enfin tu vois c'est plus cette logique là que les gens ont du mal à comprendre bref alors qu'est ce que je veux te dire aujourd'hui mais c'est qu'au-delà de ces dangers il faut savoir juste s'en prémunir c'est à dire tu peux avoir les dangers que tu veux tu peux avoir les gains que tu veux tu vois je mets bien le parallèle entre les deux tu peux avoir les gains que tu veux les dangers que tu veux à la fin tu, le truc c'est de gagner euh, dans, dans plus de la majorité des cas alors par contre si tu te dis je suis prêt à perdre 90% de mon capital mais de sortir en profit que quand ça fait plus 10% eh, forcément là va y avoir un problème par contre si tu te mets sur une tranche globale en disant ok bah je sais pas je perds si ça fait 10% je suis prêt à l'accepter ou 5% je suis prêt à arrêter et si ça gagne x2 bah je sors à ce moment là ça devient très intéressant puisque euh, finalement c'est juste une question de temps finalement c'est juste une question de temps et pas trop réfléchir. Alors. Clairement, qu'est-ce que c'est Ça t'a pas échappé, hier je t'ai parlé d'une formation qui s'appelle Token Bot, enfin qui s'appelle comment acheter des, des tokens automatiquement avec un bot 10 minutes avant le listing. C'est sur la crypto, ça s'appelle Rendre Passive Bot exactement, d'ailleurs t'as le lien en description euh, de la formation. Le truc c'est, je vais t'expliquer il a quoi ce bot et pourquoi je te le propose, parce que moi je propose jamais ce genre de truc. Pourquoi je te propose ça et qu'est-ce qui est bien et excellent et extraordinaire dedans, vraiment. Un bot que personne d'ailleurs aujourd'hui peut se targuer d'utiliser et euh, qui a des résultats assez intéressant en tout cas sur la crypto qui est de fois 3 je t'explique si on est certain qu'il y a un token alors, je vais même t'expliquer différemment. Sur CoinMarketCap et CoinGecko, il faut savoir que avant qu'un token soit listé, il passe dans un dans ce qu'on appelle une sorte de sas, un pool. C'est-à-dire, il va se dire, OK, dans X minutes, ça va être listé. Il y a, il y a une préface à ça. C'est n'est pas, boum, d'un coup, ça apparaît pas comme par magie. Il y a quelque chose qui se passe, il, est, il rentre dans un système et c'est listé. Eh bien, imagine être au moment où on intègre dans ce système. C'est-à-dire, OK, tiens, on va lister ce coin dans 10 minutes. Imagine être avant le listing du coin sur CoinMarketCap et CoinGecko, avoir la notification en disant, euh, sur Telegram, imagine, il y a ça ce token qui va être listé, il y a ça comme paramètre, ça comme paramètre, et d'avoir un robot qui regarde ces notifications sur Telegram et qui se dit euh, Ok, je paramètre un contexte, est-ce que je veux qu'il y ait tant de liquidités, est-ce que je veux qu'il y ait tant de, de, de taxes à l'achat, tant de, tant de taxes à la vente, etc. Et dire Ok, en fonction des paramètres que je vais donner, ouais, il y a pas beaucoup de liquidités, j'achète pas, il y a beaucoup de liquidités, mais la taxe est forte, j'achète pas, ou à l'inverse, il y a beaucoup de liquidités et peu de taxes j'achète, puisqu'au moment où le coin va être listé, je vais gagner. Et donc ça, c'est bête, mais c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Le, le, En fait, ça fonctionne quasiment tout le temps, c'est-à-dire que tu es toujours en, en, en gain. Le seul truc qui va faire que tu perdes, c'est que, et ça arrive dans à peu près, je sais pas, franchement c'est relatif, dans 30% des cas, c'est le fait que dans tous les cas, ça monte à 100%, 95% on va dire, ça monte quoi qu'il arrive, mais... Tu peux, si ça se trouve, ne jamais pouvoir sortir de ce token. C'est-à-dire, tu sais, des fois, euh, bah, je sais pas, quand c'est listé, les mecs, ils peuvent t'empêcher de mettre, de, de sortir ta thune. Pourquoi pas tu Bon, voilà. Le truc, c'est que quand c'est listé sur CoinMarketCap Market Cap et CoinGecko, Gecko, il y a quand même un mini audit qui est fait du smart contract sur les cryptos. C'est-à-dire du contrat euh, d'utilisation de, de, de ce token. Et qui dit, OK, euh, tu peux pas avoir de scam, en fait. Enfin, moi, j'en ai jamais vu sur ces listings-là. Le seul truc, le seul danger que tu peux avoir, c'est que, bon, bah, en gros, tu peux pas sortir. Donc, évidemment, c'est pas parce que as un token qui va être listé qui correspond qu'il faut foutre all-in tapis sur le truc. Bien sûr que non. Tu dis, OK, je sais pas, imaginons, j'ai 100 balles, bah, je vais tester, je sais pas, à coût de 5 dollars sur... Euh, euh, j'ai pas le truc, sur 20 tokens. Et là oui, là tu t'achètes tu en masse, etc., en fonction de tes paramètres. Et l'avantage c'est que tu pas de poser la question. C'est-à-dire tu passes 10 minutes à te dire, ok, s'il y a tant de liquidités, s'il y a tant d'achats à la taxe, s'il y a tant d'achats à la baisse, je veux que euh, ça sorte, si jamais je fais, je ne sais pas moi, euh, moins de 10% de mon capital, euh, je sors, euh, c'est-à-dire si le token euh, perd en valeur, et s'il monte, je veux revendre à x1,5, x2, x2, x4, x5. C'est toi qui décides de ça automatiquement. C'est-à-dire en gros tu as des stratégies as, euh, euh, où tu dis, ok, ben... Euh, J'applique celle-là, c'est-à-dire je sors à temps, je... et c'est toi qui paramètre. Je sors à moins 10, je sors à plus 20, je sors à machin, c'est toi qui fais ça. Franchement, la config, elle prend, allez, deux minutes chrono, même pas, une minute. Ben, en fait, 30 secondes si tu sais ce que tu veux, une minute à réfléchir et 30 secondes à l'appliquer. Bon, en gros, deux minutes quoi. Euh, tu sélectionnes ça, tu lances ton bot et c'est tout. Et t'attends les notifs du Telegram et tu te dis, ok, je sais que tous les coins qui vont être listés, c'est des trucs qui vont être listés sur cap et CoinGecko, tiens, j'ai une notif sur Telegram, incroyable, je prends. Et donc, bah, c'est toi qui décides du montant que tu mets. Ok, je vais mettre par exemple, je sais pas, 0,1 BNB ou 0,02 BNB parce que je veux pas risquer trop. Ok, et à chaque fois, quelque chose qui correspond à ce paramètre, eh ben, je prends. Et du coup, ton bot, il va regarder les notifs Telegram et va dire Ok, est-ce que lui, ça correspond au paramètre que j'ai mis Non, ok, j'achète pas. Est-ce que lui correspond Non. Est-ce que lui correspond Oui, ok, super, on enclenche. Et lui, il va se dire Ok, alors le bot, il va se dire Je sors quand il y a tel paramètre, enfin, quand il y a x 2,5 ou je sors quand il y a moins euh, 10%. Et c'est toi qui décides, en fait. Et tu paramètres ça, et le bot le fait tout seul. Et tu peux aller à la plage et tout va bien. Et quelque chose comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Pourquoi Parce que plutôt que d'acheter comme un singe des tokens qui vont être listés et on ne sait pas trop, ben là, tu as un bot qui le fait pour toi, qui dit Ok, ben, voilà les paramètres que tu m'as saisis, je, je, vais les, je vais exécuter ça. Et c'est magnifique. Et c'est automatique. Tu as juste à lancer le truc, terminé. Quelque chose comme ça, moi, j'ai cherché ça en trading pendant. Je me suis intéressé au trading en 2013. Et j'ai vraiment passé à l'action en 2016. Et euh, en fait. Pas trouvé ce que je suis en train de te dire. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé que sur la crypto et, et, et ça marche. Je fais des fois 3 par mois. Alors moi, j'ai un, un capital de 3000 dollars. Je fais euh, 9500 à peu près. J'arrondis à 10 000. Hein. Euh, ça fait à peu près 10 000 dollars et, euh, et ça fonctionne bien. Alors tous les mois, non. Il y a des mois, je peux faire. Il y a un mois, j'ai fait x6. Il y a un mois, j'ai perdu 10 Il y a un autre mois, j'ai fait euh, x1,5. C'est relatif parce que ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Ça va dépendre du marché. Ça va dépendre si les trucs. Euh, D'un coup, quand il y a une hype, je sais pas, L'histoire des nodes, si tu as suivi, quand il y a des nodes comme Ring ou comme Island Gold, quand c'est l'histoire de, de, de Ring de, de nodes, ben là d'un coup, d'un coup, plein de choses vont exister sur Code Market Cap et Code qui vous correspondre à des nodes. Les nodes, moi, ça a été une véritable boucherie avec le robot que je te propose. D'ailleurs, si tu, il y a encore des nodes qui fonctionnent très bien. Euh, ça a été une véritable boucherie dans le sens où, ben, en fait, les nodes, tu sors, tu n'as pas de scam entre guillemets, ça monte et toi, ton robot, il vend tout seul j'ai fait beaucoup d'argent sur les nodes et euh, encore aujourd'hui sur d'autres types de sujets. C'est plus trop des nodes, la hype du moment, mais voilà, c'est pour te dire qu'en fait... Tout ça, tu n'as même plus à réfléchir, tu as juste à paramétrer, ok, j'achète comme ça parce qu'il y a ça comme paramètre, et je vends parce qu'il y a ça. Et ça, je te le propose dans la formation de la semaine qui s'appelle Rent Passive Bot, comment acheter des tokens automatiques avec un bot 10 minutes avant le listing. Et c'est un avantage capital parce que t'as pas à réfléchir, tu as juste à réfléchir une minute sur ta stratégie, activer le script et aller à la plage. quoi. Et dès qu'il y a un token qui va fonctionner ou qui va correspondre à ton paramètre, il l'achète et il le vend tout seul. T'achètes et tu vends. Seul. Donc, est-ce qu'utiliser un robot pour acheter la crypto-monnaie c'est bien Il faut faire très attention à la stratégie que tu vas utiliser et, comment, et les paramètres que tu vas mettre, mais moi aujourd'hui je fais de l'argent avec. Donc, libre à toi si tu veux savoir comment je fais et avoir le script est très simple d'utilisation et pour les débutants, bah, c'est en description, ça s'appelle Utiliser un robot, euh, pardon, ça s'appelle Rente Passive euh, Bot, comment acheter les tokens automatiques avec un bot 10 minutes avant le listing, c'est dispo, dispo en description, tu cliques, tu passes commande, puis on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.